Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons Grande Allemagne. Objectif aujourd'hui, oh, on peut attaquer la République Britannique. Très bien ça, très très bien. On va aller chercher les Anglais avec Home Counties, donc leur état capital. On va hop, essayer de forcer la conquête de leur état. Oui, au début je voulais faire le reste des pays européens, mais bon, priorité à eux. Il me semble que... J'ai pas de front ici? C'est quoi la blague? Ah si, voilà. Il est caché derrière moult informations. Donc on va y envoyer forcément un petit peu de gens par là-bas quoi. On va désigner, hop, voilà. On va préparer deux débarquements, donc on va mobiliser là le 79 et le 67. J'en ai perdu un ou c'est moi encore? Je vais recruter un général. Non, j'aurais dit. Je pensais que j'avais un général qui était tombé, mais non. Hop, on va aussi défendre nos frontières communes avec eux. Là-bas. Envoyer quelqu'un sur les îles. Deux personnes même sur les îles, impeccable. Là-bas, ça devrait se faire tranquillou. Hein. La compagnie des Indes orientales, je pense, se chargeront eux-mêmes de défendre leur territoire. Quoique. Pas l'impression hein. Ah ouais, non, c'est pas l'impression que ça donne. Alors, j'ai deux choix, soit je conquis encore une autre partie de la Grande-Bretagne, soit je conquis les territoires qui sont là. Ça peut être très intéressant aussi. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. On va voir. Alors, si je dis... Conquérir l'État, voilà. Après, là, ça me donne tous les États britanniques. Ça m'intéresse pas, mais... je peux faire tout ça. Alors. Il y a Loyaux. Et Johor, c'est un sultanat, Johor. D'autre par là, non? Ouais, voilà. Ah bah non, je me trompe. Où est-ce que c'est Johor? Ah ouais, c'est là, ok. Bon, attendez. On a découvert du pétrole, cool, à la recherche d'une vie meilleure. Ah. C'est vrai qu'il y a des problèmes de famine. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de... d'autorité, secours d'urgence. Ouf, heureusement je peux en activer, ça me coûte que 50. Allez, ça, je crois que j'en ai une aussi ici, une mesure d'urgence. Je suis obligé. Bref, revenons à nos moutons. Conquérir l'État, conquérir... C'est où? Voilà. Je l'ai perdu pendant un moment. Allez, on va faire ça. Conquérir l'état de Jodor. Jodhpur, pardon.
Salmer. Il rage plus tard. Pourquoi je peux pas? À moins que ça apparaisse, ça soit, je veux dire. Ah ouais, d'accord, oui, ils l'ont. Ils l'ont conquis pour leurs pommes. Et. Nagpur ou Hyderabad? Oh, bah tiens. Voilà. Voilà. Ce qui fait que. Fermeture des hospices suite à l'amélioration des ans inquiète certains citoyens et craignent une augmentation de la criminalité puis. Ah, ouais, c'est bon. Ils vont pas être embêtants. Par contre, elle veut vraiment pas passer, hein. Passer, je veux dire, la pension de retraite. Bon, par contre, j'ai eu trois découvertes de puits de pétrole d'affilée, là. Oh oui. Oh, ça fait du bien, là. On a vraiment beaucoup, là, d'un coup. Bon, toujours pas assez pour notre marché. Je suis à peu près sûr. Hein. Hop, ouais, voilà. Hey, on n'était pas à 60% à un moment. Il y a quoi, deux ou trois épisodes? En vrai, il y a du mieux. Ok, il y a encore du chemin, mais je trouve ça pas mal, moi. Je vais mobiliser lui. On va l'envoyer là-bas. Il est mobilisé, il est pas mobilisé. On va l'envoyer là-bas aussi. Voilà. On avait dit 64 et 79 qu'on voulait garder. Et un petit dernier. Voilà, ici. Regardez le général, enfin les généraux Moritz Oetker et Edward Reicher pour faire un petit débarquement sur Home Counties. Voilà, plus vite je fais tomber Londres et plus vite. Plus vite ils abandonneront. Toujours cette grande famine au niveau du journal. Ouais, bah oui, c'est ça. Organiser une grande exposition, cartographie de la frontière américaine. Ouais, je peux pas. Enfin, je peux, mais. Ça se passe pas. Oh, attends, j'ai 340 flottes. Attends, je peux recruter un autre amiral en fait. Ah ouais, ah oui. Bah attendez, les gars, on va recruter. Oui. Pire chevronné en l'air. Ouais. Ouais. Même s'il est colérique, on va le recruter lui. Voilà. On va le promouvoir. Voilà. Comme ça, on a trois jolies flottes. La vraie question, c'est. Ça suit impeccable. On a le niveau de vie qui est un peu augmenté. Il était baissé à 10. Il était descendu, je veux dire, tombé à 19. À peu près, voire moins. Pas sûr pour le moins de 19, mais il était vraiment tombé bas. Et là, il est un peu remonté. Voyons voir comment que ça se passe. Ouh, ça devrait aller. Encore? Ça fait beaucoup là quand même. Devoir retirer un palier de taxes. Pour l'instant, je peux me le. Mince. Pour l'instant, je peux me le permettre. Donc là, je vais la remettre.
Un secours d'urgence, purée, j'en ai partout. Là, c'est pas cool. oui, les débarquements, oh là là. J'ai oublié. Invasion navale. Tac. Moritz, on l'avait dit, et invasion navale. Edward. Cliquer une fois en trop. Là, ça va se faire tout seul. Voilà, c'est par ici que ça bouge. Oula. Je te calme. C'est par ici que ça bouge pas mal. Bah, comme vous voyez, il y a du monde. Il enfin, y a pas mal de petits états éclatés. Et normalement, j'ai quelque part. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés ou pas. Oui. Ah, ils sont déjà arrivés. J'ai 2-3 armées là dans le coin. Ouais, j'en ai une ici. Puis bon, tous les fronts, on est gagnant, c'est juste une question de temps. Alors, voyons voir. Chez les Anglais. Comment se défendent-ils? Ils se défendent pas mal. Bah super. Edward. Le général que j'ai envoyé faire un débarquement, il se retire. Génial ça. Purée. Bon, QG Nord-Allemagne. Oh, un élite à Oula. Putain, affection psychologique. Colérique, pilleur, mais dis donc. Démagogue. C'est un défenseur acharné. Ils sont pas ouf hein, là, ceux que j'ai. Hein. Bon, je vais le prendre parce que j'en ai besoin. Mais intéressant, c'est qu'il prépare un débarquement, mais sans troupes terrestres. Récupération des terres. On a gagné 4, c'est bien. Ah oui, bah oui, l'Italie, j'ai oublié. Là, en vrai, on va récupérer un plus de la population, hein. Avec tous les petits états, mine de rien. Là, il y a combien? 3 millions? 3? 2? Presque 4? 2,5? Oh, on va peut-être récupérer une petite dizaine de millions de population. Pas mal, c'est pas mal. Voilà, bon là, on est en train de gagner tranquillou. Tranquillou bilou. Ouais, bon, le pétrole, hein, comme d'hab. Là, on a de la construction en cours. On a encore, oh la vache, 50 millions de personnes, soit sans emploi, ou paysans. On a 100 millions d'emplois rémunérés, la vache. Ah ouais! Mathieu. Cent millions. On est comme zéro dans le coin.
Révolution aux Caraïbes, Tahiti. Pourquoi pas? Alors, excusez-moi un instant. Voilà. Ça fait du bien. Bon, les pensions de retraite? Pourquoi ça baisse comme ça? Il n'y a que les syndicats de travailleurs qui sont pour. Il n'y a pas les. Pas les intellects. Ah ouais. Les ruraux ont perdu un petit peu, et les petites bourgeoisies un petit peu aussi par rapport à l'épisode précédent. Ça c'est cool. Ah ça y est. En plus là on a un quadruple fronde ouvert, c'est pareil. Train de leur foutre une misère. Pétrole découvert. C'est cool. Non, pas de café. C'est pas pareil. Hein, il se mange l'autre, pas ouf. Quelques mines d'or là, 4, je l'ai pas vu. Allez, on va les faire. Pour la forme, quoi. Attends, quoi? Ah oui! Ah oui, déjà. Attends, là j'en ai deux, là, autant conquérir hop, cette partie-là. Oh, c'est bon, les Anglais. On a bientôt fini avec eux, Home Counties. C'est vrai qu'il y a le Rajputana britannique aussi. Rajputana, pardon. Si j'oublie une partie, c'est pas... Pour l'instant, ils veulent pas, et voilà, ils sont au moins 550. Ça change combien Ah. Non, ça change à 5 par tour, ok. Bon. On a les pensions de retraite. Ouais, plus de prestations d'aide sociale, beaucoup plus même. Bon, encore, eh bien. Moi aussi, on faisait augmenter un peu. Non, c'est pas là. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de voir vite fait. Et qu'il y a encore la censure. C'est ouf quand même. Ouais, mais là, ça me baisserait l'autorité. Là, je gagne 100 d'autorité grâce à la censure. Pour l'instant, je peux pas me permettre de retirer. Plus 100% de prestations d'aide sociale. Je suis à combien? Ça m'augmenterait de 900 000 les dépenses. Ça va. 900 millions, pardon. Non, 900 000. Allez, on va augmenter. On a pour 4 ans. Révolution au sud des États-Unis. Ouf, oh, c'est cassé de partout, hein. T'as quoi, t'as la... Ah, t'as les États confédérés. Ok. Ok, là, ça s'est fait tranquillou. Regardez-moi ça, là. C'est conquis tranquillou. Ouais, mon activité migratoire, ça me va. République britannique. Là-bas, il leur reste un petit peu de territoire encore, pas grand-chose. Là... Ouf. Ah, il y a du monde. Je sais pas comment ça peut bien se finir pour eux ici. Ça leur picote un peu. Pour parler avec politesse, bien évidemment.
Ouais, ils tiennent, hein, mine de rien. Ouh, c'était quoi ça? Ok. Technologie. Ah. Pardon. Ça, c'est bien ça. Déjà, on déverrouille deux choses. Donc la production de navires par soudage à arc. Et secteur de construction. Alors, normalement, après, en navire, on est bien. On est clairement bien. Regardez. On en produit beaucoup plus que ce qu'on en consomme. Mais quand même, au cas où, on va améliorer tout ça. Alors, voilà, c'est là. Tiens, oh, chaîne de montage. Ah oui, mais non. À éviter. Don généreux. Moi, avoir vivant des horreurs qu'ont enduré les citoyens des îles Ioniennes, les nations ont exprimé leur solidarité, voire leur volonté de les aider financièrement. Mais les îles Ioniennes, elles sont à moi, non? Oui, bon. Au pif, hein. Ah, voilà. Totalement au pif. Pourquoi c'est comme ça, là? Subventionné, oui, si, subventionné. C'est. Productions ont changé sur certaines conquêtes, je l'ai pas vu. Oupla. Je crois que j'ai. Mince, pourquoi c'est en pause? Je crois que j'avais découvert aussi du pétrole. Bingo. Oh oui. 34. Plus qu'en 34 puits de pétrole. Magnifique, n'est-il pas? Oui, je regardais là. Moins 31. Ça va bientôt être bon, hein. On va bientôt bien avoir affaibli les Anglais là. Ils sont combien? Ils sont troisième. Donc un PIB de 100 millions. Autant dire que là, ça leur pique un peu le fiac. Hein. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Mais ouais, effectivement, là, on va leur retirer un bon morceau. Parce que je sais même pas. De combien elle est leur population? Ah, 50 millions quand même! Si on regarde là. La France, elle a pris cher. Ouais, Espagne, 12. Oh, c'est pas beaucoup, tout ça, 12 millions. Oh, l'Espagne, il y a eu du départ. L'Italie reste assez peuplée, c'est bien. Oh, le Maroc, qui est à peine deux fois moins peuplé que l'Espagne, propre.
Le Darfour, ils sont à combien quand? 400 000. Ouais. Pas un pays qui est sous notre contrôle, qui est. Oui, bon, bah, ça c'est normal. Et qui est bien peuplé, un peu plus que. Qu'est-ce qu'il faudrait? Non, bah, la Norvège, ils ont perdu. La Finlande. La Finlande, il me semble que c'est beaucoup moins d'habitants. Hein. Beaucoup, beaucoup moins. Oui, le plastique, c'est l'avenir, bien évidemment. Alors, et si on proposait l'accord de paix, ils sont ouais, tout a été coché et ils ont accepté. Alors, voilà qui fait bouger beaucoup de choses. On a Home Counties, donc on a un territoire de plus en Grande-Bretagne. Et on a pas mal de territoires à ce niveau-là. Encore dans les Indes. Action d'État. On va les incorporer. Donc le Rajputana. Je fais n'importe quoi, moi. Enfin, tout ça. Et Home Counties, bien évidemment. Oui, on va changer la méthode de production. Tac, tac, tac. Tac. Et maintenant, faut trouver une cible. Attends, c'est vrai qu'ils sont ils sont sous ma domination, non? C'est pas un délire comme ça? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est Dominion. Ah, si, je peux annexer le sujet. Ah, c'est quoi? Bon, et si j'allais retaper encore un peu dessus je sais pas si on. Faut attendre un peu. Tome novembre. Bon, on va aller annexer un pays. Allez, on va prendre la Finlande. Rapidou. Voilà, le but, c'est que ça se fasse rapidement. On va y envoyer que 400 000 hommes. Un peu plus. Enfin, 407 000. Voilà. Et j'oublie quelque chose. J'oublie quelque chose. J'y ai pensé. Tout à l'heure, oui. C'est pas là, c'est là. Hop, qu'on a conquis, il faut remettre les bâtiments comme il faut. Oh, c'est mon crash chimique. Hein. Tac, 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 ça c'est bon. Tac, tac, ça c'est bon. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Ah non. Je suis mentionné, s'il vous plaît, monsieur. Non, ça, on ne subventionne pas. Je fais l'erreur une fois le centre urbain de le subventionner. J'ai vite compris mon erreur. Encore, ça m'a coûté 3 millions. Non, non, non. Ils vont se gérer tout seuls. Hein, voilà. J'ai confiance. Ou pas, mais bon. Hey, on est bientôt à 1 demi-million, 1 demi-milliard, je veux dire, de population. C'est pas mal, non? Est-ce qu'ils sont aidés par des copains? Ils sont pas aidés par des copains. Les expéditions. C'est bien, ça grandit bien là. Un chantier. Oui, bon. C'est vrai qu'il y a ça aussi qu'il faudrait que j'aille chercher. Ça peut vraiment, genre. Petit truc là en plein milieu. Je sais pas, il y a une production de je sais pas quoi ici, mais il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, tabac. Tabac été. Consommation des biens de luxe qui sont assez élevés. Oh la vache, je produis tant que ça d'automobiles. Ah oui. Ok.
Non, mais il y a du rame, hein. C'est bien. Hein. Au moins, la voiture, elle est pas chère. Hein. C'est pas 15 000, 30 000 balles, je sais plus combien, la nouvelle bagnole. Hein. Vu comment il y en a sur le marché, t'inquiète pas. Hein. Bon, la partie va lentement. Je vais voir si je peux l'accélérer. Parce que là, la vitesse en accéléré, c'est la vitesse en normale, comme on avait en début de partie, voire moins. Si j'y pense, dans le prochain épisode, je baisserai au maximum toutes les options qu'il peut y avoir. Ces options qualité, parce que là, c'est vrai que le jeu galère un peu. Oh, il m'apporte du sucre! C'est vrai, ça d'ailleurs, route commerciale, est-ce que j'en ai? Attends, quoi? Je perds des recettes? On m'importe des trucs, mais ça me fait perdre du fric? Mais c'est quoi la blague? Je vais me mettre en protectionniste. Attends. Ah, je suis déjà. La vache. C'est quoi cette blague? Mais non, c'est pas ça que. Mince, bah comment on fait pour régler maintenant? Ah, j'y suis déjà partout, hein. Après, c'est peut-être parce que j'en ai trop, j'en sais rien. Bah. C'est comme ça. C'est fou quand même. Ils me les achètent à rien. Après. Je peux voir comment ça me rapporte. Ils m'ont mis sous embargo, mais ils m'importent des trucs. On peut casser ça. Ok, 3005. C'est pas grand-chose, hein. Vu ma production et ma consommation interne, c'est que dalle. C'est un accord. Oh, oui. Ils ont repris. C'est quoi ici cet état? J'en sais rien, moi. L'Utah? L'Utah ou le Nevada, là, qui était au Mexique? On va leur faire rendre. On va leur faire rendre ça quand même. Ça va bien retirer. Ok. Et. Ouh. Ah ouais, c'est pas mal d'un coup. Mais il y a personne en face. Ouais, c'est pour ça, enfin, je suppose. Ouais, y a personne en face. Là, c'est d'une gratuité gratuite.
Ah bah, pourquoi ils sont tous barrés d'un coup? Non mais sérieux les mecs. Voilà. Bon là, ouais, ça résiste un peu, voilà. Mais encore, hein. Attends, quoi? Il est où? Ah d'accord, il a disparu pendant un moment, lui. Parce que là, je comptais bien 4 francs et j'en ai vu que 3 pendant un moment, pendant un bon moment même. Eh, le pays aux 1000 lacs. Et bon, ah ouais. J'avais pas vu là. Ah. C'est compté comme une route là, ok, je savais pas. Ok, nice. Par contre, les mecs. C'est intelligent, je sais pas, séparez-vous au minimum quoi. Pourquoi j'en ai tant que ça là d'un coup? Ah oui d'accord, c'est quelqu'un est venu. Non mais. Ils ont du mal hein, quand même, c'est fou. J'ai perdu un camp de la petite bourgeoisie. Quelle tristesse. Oh. En flûte alors. Petite bourgeoisie. Voilà. Duel. Ah, il y a encore les duels. On interdit des duels. Oui, c'est couillon en plus, ils font partie de la même. Du même. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Du même parti, voilà. Et plus mon mot. Ok, ça bientôt complété. Il reste juste ça, mais c'est pas grave parce qu'on a eu la capitale. Moins 300. Oh, on a fait 1 million de bénéfices là. 1 million de bénéfices sur le solde. Ah, mais on a moins de construction, j'ai l'impression. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de construction. Ah bah là, la consommation, ça va pas être pareil. Hein. Ah bah là, les gars, déjà, facture d'électricité, elle va être élevée. Hein. Plus 40 par hectare de construction. On va dire, excusez-moi, on manque un peu d'électricité d'un coup. Hein. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Oh, hors d'achat 200 000. Voilà, bah dis, c'est quoi cette bureaucratie qui. La Brandebourg et on va en faire. Hein. Allez. Centaines d'administrations gouvernementales à Brandebourg. Bon, ça a piqué un petit peu le solde, mais. Mais en vrai. Ça nous aidera un peu à terme. Alors, je voulais juste voir aussi. Ah bah, y a plus de. Y a plus de petite bourgeoisie, tiens. Impeccable. Ils sont remontés un peu. Dommage. Ils sont neutres surtout, ouais. Ils sont pas spécialement contents. Bon, ça, je m'en fiche. Et l'institution, putain, elle est même pas passée au rang 2 là. Ok. Au moins la grande famine a fait passer hein, une année entière. Là, c'est bientôt fini.
On voit bien les délimitations là. Ça, c'est cool. Toute cette partie-là, quand même, on n'y a pas trop touché. Ainsi, toute cette partie-là. En vrai, on n'est pas encore allé sur deux continents, hein. Deux continents et demi, même. Ok, du pétrole, yeah! Combien? 7? Je prends. Clairement, je prends. La question ne se pose même pas. C'est bien évidemment qu'on propose, voilà, l'annexation. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Bah, c'est magnifique. Attends, je viens de voir une dinguerie là. J'ai l'impression que je viens de voir une dinguerie. Je peux faire un gratte-ciel en Home County? Pourquoi je peux faire un gratte-ciel? Pourquoi je peux faire des gratte-ciel en Home County, sachant que j'en ai déjà? Et je peux faire un Big Ben. Mais pourquoi? Bah pourquoi pas? On va construire Big Ben, hein. C'est. Il a pas fait Big Ben quoi, non mais. N'importe quoi. Bon, pour 50 prestiges, je le comprends, mais il a pas fait Big Ben. Alors, République britannique. Oh, oh attends, ils étaient à plus de 100 millions, je crois, en PIB. On leur a fait diviser leur PIB par deux. Attends, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que je leur ai fait là. Quoi qu'il en soit. Voyons voir. Juste avant de clore l'épisode, je veux trouver leur état capital. J'ai aucune idée duquel ils vont avoir. New Jersey, non? Maryland, non? Virginie? Il me semble que c'en est un qui est à peu près par là, mais. Ah, voilà. L'Ohio. Bonjour. Nous aimerions conquérir l'Ohio, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Ou alors libérer des pays, c'est bien mieux, libérer. Regarde. Mais je crois qu'on peut pas le faire. Hein. Je vais être obligé de conquérir l'Ohio, ça craint ça. Sinon il va accepter tout ce que je vais lui demander. Donc, le problème là, c'est que j'ai pas de lien direct vers l'Ohio. Je pourrais lui demander la Virginie. Là, pour avoir une route vers l'Ohio, Virginie. C'est pas facile là. Ou alors, New York pour les chutes du Niagara. Ah oui, effectivement, ce serait pas mal. Production d'électricité en plus. C'est quoi, je vais faire ça? Et conquérir l'État. Conquérir la Libéria. On va faire libérer le pays. C'est dommage, on n'a pas de prévisualisation. Pueblo, je sais pas ce que.
Le Texas, c'est là. Michigan et tout, etc. Je sais plus où c'est. Sais même pas ce que c'est, ça. L'Ainu-Mozir. J'ai aucune idée de ce que c'est. Territoire indien, les eaux. Pareil, les eaux, qu'est-ce que c'est? Bon, allez, on va libérer Pueblo. On va libérer tout ce que je connais pas. Et ah. Bon, et tout ça, c'est bon. Cherokee, ça doit être. Ça... Non, c'est pas par là le Cherokee. Voilà. Et bien évidemment, on va se garder ça quand même pour le prochain épisode. Parce que là, c'est vrai que. Oh, comment ça? Ouais, quand même, 3 quarts d'heure. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Voilà, on a commencé à avoir quelques pieds à terre en Inde. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Tiob. Ciao.